plaisir, savoir aimer, ne rien attendre en retour, ni égard, ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé, mais savoir donner. Cactif TV, aujourd'hui nous sommes à l'anniversaire de Jacky Rilsi. Bonjour Jacky, comment allez-vous ? Bonjour, bonsoir, ça va ? Je vais bien. C'est vrai, bonsoir à cette heure-ci. Hein. Alors aujourd'hui c'est votre anniversaire ? Ben, en fait, mon anniversaire, pour tout dire, c'était le 31 août. Mais comme je suis un petit peu atypique, je ne fais jamais les choses comme tout le monde, j'ai jusqu'à la fin de l'année pour faire mon anniversaire. Donc j'ai choisi aujourd'hui. Aujourd'hui pourquoi ? Parce que lundi 10, c'était l'anniversaire de mon fils. Donc je me suis dit, je vais faire un amalgame des deux. Nous serons, on va faire une grande fête, quoi. Voilà. Nous sommes à l'anniversaire de Jacky Rilsi et nous sommes en très bonne compagnie de Amélie. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Cactif TV, bonsoir à tous, ça va ? Comment allez-vous ? Très très bien, merci. Merci. Alors, vous passez une bonne soirée ? Ah oui, oui, très bien, surtout qu'avec Jacky, il est toujours dans mes prestations. Alors je me suis dit, il ne faut pas que je loupe la sienne. Et en plus, c'est son anniversaire, c'est un artiste très sympa, c'est un ami en même temps. Et je me suis dit, il faut que je vienne à tout prix. Tiens, Bitor, bonsoir, comment allez-vous ? Ça va bien, merci, vous ? Alors, vous vous amusez ? Ben, de toutes les manières, c'est le but du jeu, c'est de venir, dans un premier temps, fêter avec Jacky Rilsi, et puis manger tout ce qu'il nous a emmené, et puis s'amuser aussi. Alors, vous êtes plutôt gourmand, hein ? À de toutes les manières, de toute façon, on est là juste pour un moment, donc mieux vaut en profiter, parce que si on n'en profite pas, ça va rester, ça va gâter, donc... C'est vrai. De Jacky Rilsi ce soir, c'est l'anniversaire du maestro et nous avons Marina Lovely. Comment ça va Marina? Mais très bien quand je te vois toujours, Justin. Marina, tu te fais rare. Mais ce soir,
Jacques Rilsi a réussi à te faire venir ici à la Salognon? Alors, je me fais rare parce que j'ai eu un heureux événement. Je me suis reposée un petit peu, mais là, c'est reparti. C'est reparti, donc la carrière se relance aussi par la même occasion? C'est ça, donc il y a des choses qui sont en préparation pour 2017. Avec Captif TV ce soir, hein, qui est présent pour l'anniversaire de Jacques Rilsi. Ben, moi, je suis invitée et puis en bonne copine, je ne voulais pas rater ça. Effectivement, vous êtes une bonne amie de Jacques Rilsi, puisque vous avez pu chanter quand même ensemble. Ben, disons que Jacques, ça fait un moment qu'on se connaît et il a évolué sur deux de mes concepts et le tout dernier Eau de Rose, hein, qui lui réussit très bien. Et aujourd'hui, il fête son anniversaire. Je me suis dit, ben oui, il faut être là, il faut profiter, il faut... Faut être avec les amis dans les bons et les mauvais moments et c'est normal. Donc Jackie m'a demandé de venir interpréter un titre pour lui, donc c'est avec plaisir que j'ai accepté. Alors quel est ce titre? On veut tout savoir. One Love. Ouh là là. Voilà, une nouveauté. Donc voilà. On attend alors. Comment ça va? Ça va et vous-même? Ben ma foi, ça va bien. Belle fête, hein. on est autour du maestro Jacques Rilsi ce soir. C'est son anniversaire, alors il faut rappeler que Jacques Rilsi Serra qui fête son anniversaire et ce soir il a choisi la Salognum pour fêter cet anniversaire, la Salognum que j'ai grand plaisir à animer, hein, évidemment depuis de nombreuses années. Et bien ce soir, je suis ravi de le recevoir, donc recevoir Jacques Rilsi mais recevoir aussi ses amis. Recevoir la presse, j'ai vu la presse s'est déplacée aussi en grand nombre, donc c'est une bonne chose. Jacques, il le mérite bien, puisqu'il faut savoir que Jacques Rilsi est dans le métier depuis une trentaine d'années. Il a été DJ, il a été sonorisateur, il a été l'un de nos premiers DJ ici à la Salognum. Après, il a sonorisé un peu partout. Aujourd'hui, il revient, mais il a quitté la sonorisation, il revient dans le chant, il est chanteur. Et de temps en temps aussi, il vient titiller les platines ici à la Salognum, donc c'est que du bonheur. Alors du coup, c'est un bon ami à vous? Jacques Rilsi, c'est vraiment un très bon ami parce qu'on a énormément collaboré. Depuis ces 30 dernières années, je crois que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup puisqu'on a beaucoup, beaucoup travaillé ensemble. Il ne m'a jamais dit non. J'ai organisé des grandes et belles soirées. J'ai toujours fait appel à Jacques. Il a toujours été là, il m'a toujours donné le son que je lui demandais. Vraiment c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste. Et s'en aller. Savoir y croire, pour tromper.
la peur du vide, en fait comme autant de rire, et germissent les miroirs de s'abandonner. S'ouvrir à vouloir mourir et se relever, car mon rêve s'essent avec tant d'amour à revendre. On tire un trait sur le passé. Ça vous plaît? Thank you.